La célébration de la fête de Pâques varie selon les religions et les traditions de chaque pays et parfois perd de son côté sacré. Israël plus proche de vous, les reportages qui vous immergent dans les récits bibliques va vous faire découvrir aujourd'hui les origines de la fête de Pâques. Bonjour Loïc. Bonjour Stéphanie. Loïc, on est là pour parler de la Pâque. Oui. Est-ce que tu peux nous dire ce que signifie le mot Pâque, tout simplement? Bien sûr. Il faut savoir que la Pâque, en fait, est un dérivé du mot latin Pascha. Ce mot latin est un dérivé du grec Pascha. Et le grec lui-même est un dérivé de l'araméen Pascha, qui vient de l'hébreu Pessah. Oh, d'accord, donc l'origine du mot Pâque, en réalité, c'est Pessah. Exactement, mais il y a eu plusieurs influences linguistiques. Alors, vient la question maintenant, que veut dire Pessah? Alors, très bonne question. Pessah, si on se réfère à la racine hébraïque, ça signifie littéralement enjamber ou passer par-dessus. Donc, c'est une racine très imagée en hébreu biblique et qui fait référence à l'action de l'ange de l'Éternel. La nuit du 14 au 15 du mois de Nissan, la Bible dit que l'ange de l'Éternel a tué tous les premiers-nés d'Égypte, mais tout en épargnant les premiers-nés des enfants d'Israël. Donc là, on fait référence en fait à la 10e plaie d'Égypte. D'accord, le fait de passer par-dessus et qu'ils ont eu la protection. Alors, que commémore cette fête? Il faut savoir que la fête de Pâques est l'une des principales fêtes du calendrier hébraïque, d'accord? Cette fête, elle fait référence, elle commémore en fait l'affranchissement de la servitude des enfants d'Israël quand ils étaient en Égypte, car ils avaient subi un esclavage rude de 430 ans de la part de plusieurs pharaons. Donc, dans cette fête, il y a cet esprit de commémoration, d'affranchissement. Mais il faut nous garder à l'esprit, d'accord, que cet affranchissement, elle vient confirmer une promesse que Dieu avait fait à Abraham plusieurs centaines d'années avant. Dieu avait promis à Abraham que de délivrer ses descendants parce qu'ils allaient être esclaves en Égypte. Est-ce que Pessah est cité dans le Nouveau Testament? Alors, bien sûr, mais pour ça, je pense que ce serait mieux qu'on se rende sur un lieu précis où les événements se sont déroulés. Ici derrière moi se trouve la salle qu'on appelle couramment le Cénacle, d'accord? Pour répondre à ta question, tu me disais, est-ce que la Pâque est mentionnée dans le Nouveau Testament? La réponse est oui, et sur la même base que la première alliance, ou si vous préférez, l'Ancien Testament. Il faut toujours garder à l'esprit que la Bible a été rédigée dans un contexte juif. Dans ce contexte, on retrouve donc les événements qui ont trait au ministère de Jésus. La Bible nous révèle, les évangiles nous révèlent que le point culminant du ministère de Jésus a eu lieu durant la Pâque juive, s'est déroulé durant la Pâque juive. Et nous retrouvons ça dans les quatre livres qui composent les évangiles. Qu'est-ce qui se passe ce soir-là? Jésus, il ne fait rien d'autre qu'un repas de Pâques. Il prend donc un repas de Pâques avec ses disciples ici. Et conformément au chapitre d'Exode 12, il mange de l'agneau avec des herbes amères. Mais en plus, il y a un troisième élément. Il y a du vin à leur table ce soir-là. Et ce vin symbolise en fait le sang de l'agneau immolé que chaque famille, d'accord, devait tuer dans la nuit du 14 au 15 pour manger de l'agneau. Donc c'est ça premièrement la Pâque. Sauf qu'avec Jésus, cette Pâque prend une toute autre dimension parce qu'il dit à ses disciples au moment de prendre la coupe de vin, faites ceci en mémoire de moi. En vérité, Loïc, on parle de Pâque juive, de Pâque chrétienne. Mais au final, on fait référence à la même Pâque, non? Bien sûr, il n'y a qu'une seule fête de Pâques qui commémore deux événements majeurs. Un événement dans l'Ancien Testament, la première alliance, qui fait référence, comme nous l'avons dit tout à l'heure, à la délivrance et à l'affranchissement des enfants d'Israël en Égypte.
Et le second événement se trouve dans le Nouveau Testament. Ce sont les événements qui ont trait à la crucifixion et à la résurrection de Jésus. Alors nous les chrétiens, nous avons mis une emphase sur le deuxième événement. Mais la Bible nous invite à considérer que le point d'ancrage, les racines de cette fête, sont enracinées dans l'Ancien Testament et donc en Égypte. Donc il y a un lien entre les événements d'Égypte avec Israël et les événements qui se sont déroulés ici à Jérusalem avec Jésus et ses disciples. Donc il n'y a qu'une seule fête de Pâques, il y a une continuité entre les deux alliances, entre les deux testaments, et donc en même temps il y a un lien indissociable entre Israël et l'Église. Malheureusement, on a eu un empereur qui s'appelait Constantin. Et Constantin a décidé de son propre chef que les chrétiens devaient se dissocier des juifs lors de la célébration de cette fête. Et à partir de là, il a été demandé aux chrétiens de célébrer la Pâque le premier dimanche suivant la première lune de l'équinoxe du printemps. Et cette décision a été actée lors du concile de Nicée qui a eu lieu en l'an 325 de notre ère. Donc, cette décision, avec cet acte fondateur au Concile de Nicée, a marqué un point de rupture net entre les communautés chrétiennes et les communautés juives lors de la célébration de cette fête. Et c'est pour ça que de nos jours, on parle de Pâques chrétienne et de Pâques juive, et les gens pensent en fait qu'il s'agit de deux fêtes différentes, alors qu'il s'agit que d'une seule et même fête. C'est déjà l'heure de se quitter, mais on espère vraiment que cette vidéo a pu éclairer votre regard sur cette fête. On vous souhaite une très bonne semaine et on se retrouve à très bientôt à Jérusalem.